C'est devenu un rituel pour ses quatre clients, déjeuner une fois par semaine dans ce café multiservice. Allez-y, installez-vous. Un accueil formidable, on mange très bien et on est content de venir ici. Un établissement ouvert il y a 10 mois à la Foy Mongeau, grâce à 1000 cafés, une opération destinée à rouvrir des bars-restaurants dans des villages de moins de 3500 habitants. Un déclic pour le couple de gérants. Deux avant, un poulet. On n'avait pas l'argent pour investir, donc du coup, c'est eux qui ont apporté le capital. Nous, on avait les compétences et la volonté de travailler, et eux, le financement. Au total, près de 18 000 euros pour investir dans du matériel de cuisine et créer la trésorerie. La mairie, elle, fournit le local et le logement pour moins de 800 euros par mois, une nécessité pour ce village isolé. Le dernier commerce que nous avions avait fermé quelques années plus tôt et franchement, ça manquait, quoi. Ça crée un lieu de convivialité, c'est un endroit où on a plaisir à se retrouver. Se retrouver autour d'un repas, mais pas uniquement. Le commerce propose aussi une épicerie de dépannage. Objectif, proposer une large gamme de services. Les gens, il faut qu'ils se sentent déjà chez eux quand ils arrivent, qu'on soit à leur disponibilité et puis leur offrir un maximum de choses, ce dont ils ont besoin, qu'on soit là pour les servir, quoi. Merci, madame. Ça permet aux gens de pouvoir se rencontrer, se re-rencontrer. Je pense qu'aussi pour les anciens, ça permet peut-être de se revoir. Ils ne se voient jamais, en fait, et ça peut être aussi très intéressant. Un service à la population pas encore tout à fait rentable. Le couple se contente pour le moment d'un salaire, mais il espère augmenter les recettes en proposant prochainement des soirées à thème.